Salut Luc, là, j'ai mis en route la vidéo. Hein. Je crois que cette vidéo-ci, je vais la faire en français. Hein. Bon, bah, j'ai pris le virage à droite là pour dans la montée. Hein. Bon, tu feras attention, t'as 4 voitures qui descendent. Ok, bien reçu. Bon, bah, tu me verras arriver. Hein. De toute façon, tu peux pas me rater. Hein. Bah non, parce que en fait, nous, on s'est mis face à la vue, donc automatiquement à la route en même temps. Et voici Luc. Ça va Luc? Ah ben ça va, enchanté. Et sa femme. Eh oui, excellent, excellent. C'est toujours sympa de rencontrer les gens avec qui on parle à la radio. Hein. Bah exactement, un visu ça fait pas de mal. Hein. Donc, au contraire. Voilà, ils ont un magnifique camping-car là, équipé ouais. Avec la Sibi. Hein. Donc voilà, au plateau de Cossol. Et on va faire quelques opérations donc. Hein. Moi je vais essayer donc le K1 en 30 mètres et puis on verra. Mais bon, c'est un temps super donc. Bon, bien, on est en train de tester une antenne de Sibi. C'est une antenne qui est assez commune puisqu'elle est composée d'une RF choke, donc en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est une bobine. Hein. Le coax est bobiné. On a ensuite un quart d'onde. Et au milieu, donc au milieu, au quart d'onde, on a simplement le blindage qui est enlevé. Et ensuite, on a le centre du coax qui monte encore un autre quart d'onde. Donc, ça fait une antenne demi-onde. Mais on vient de tester et il a un court-circuit dans sa PL. Bon, son antenne ne marche pas. On a coupé 30 cm. Elle était résonante sur 23,5 MHz, mais avec un TOS de 3. Donc on a coupé 30 cm et c'est remonté d'un mégahertz et demi. Mais je vais lui fabriquer une demi-onde alimentée au bout. Ce sera vachement mieux. Bien, donc voilà, on est installé avec Luc ici hein, dans le c'est pas Arvis, camping-car en français. C'est un camping-car. Et donc j'ai ma clé ici, Palm Radio. Et on est sur 30 mètres, 116. 10.116 et voilà donc 10.115, il n'y a personne donc on va essayer. Je vais envoyer mon appel. Ah. Décidément, j'envoie avec mon pied gauche aujourd'hui. Bon, pas de réponse, mais j'ai retrouvé une station allemande, DL0FF. -P donc portable et il vient de dire au revoir à son correspondant. Je vais essayer de l'appeler. Ah, je pense que c'est lui. Voir s'il me parlait à moi. Ouais.
DL7AMW. Je suis pas certain qu'il s'adresse à moi. Et pas de réponse toujours. Évidemment, le Reverse Beacon Network va me dire si je suis bien calé en fréquence ou pas. Parce que ce que je vais voir sur l'internet va peut-être me dire, voilà, tu es sur telle fréquence, alors que moi, je pense que je transmets sur une autre. D'accord. Donc ça permet d'aligner la radio sur la bonne fréquence également. D'accord. Oui, j'ai compris. J'ai fait exprès. Je vais aller sur YouTube pour voir un truc. Alors, YouTube... J'essaye un truc là. Non, ça marche pas. Ouais, non plus. Je peux même pas le mettre sur YouTube. Télécharger YouTube Music. Pff, mais t'as raison. Je suis en fou de YouTube Music. C'est pas ça qu'il faut faire. Attends, j'enregistre là. Désolé. Paul. Ok, got it. Pardon, en français. Paul. Son prénom est Paul. Oups. Je crois qu'un verre de vin a suffi à me... à me trouver un peu. Ah, tu t'es trompé. Il y en avait deux. Je me suis trompé, oui. Il y en avait deux. Ah, il y en avait deux. J'en ai bu deux. Deux. Aïe, deux, aïe, 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 aïe. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Deux, ça va pas être bon. Paul Schmidt à Gottstraßelde. Bon, c'est en Allemagne. Hein. C'est en Allemagne. 689 km. Bien. Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est super. Bon, bah, la radio marche. Et voilà, Paul en Allemagne. J'ai pas compris trop la ville. Enfin, j'arrive à lire, mais j'arrive pas à le prononcer. Donc, c'était DJ7OM. Et 660 et des kilomètres, c'est pas mal. Donc je sais que ma radio est bien alignée, elle fonctionne sur 30 mètres. Bah, il n'y a plus qu'à essayer sur 80 mètres. Bonjour, ici Gilles, F4 Whisky, Bravo Yankee, F4WBY, à l'écoute. Et également à l'écoute sur 51.5 FM, 51.5 FM. D'oublier. Hôtel Ascosia HTS, Bernard Lachalary. Oui, Bernard, ici Gilles, F4 Whisky, Bravo Yankee, F4WBY, ici au plateau de Cossol. Plateau de Cossol, comment vous me recevez-vous? Ok, Gilles, 73. Plateau de Cossol, oui, ça c'est sur les arrières de Nice, je crois bien, hein, vous me détromperez si je fais une fausse route. Ben, ça marche bien, vous êtes sur le R5 du Var, donc 145, 725 à l'écoute, moins 600 kg, donc 125 pour entrer dans le relais avec un CTSS de 74.4. Le relais est disposé sur les arrières de Toulon. Une puissance d'une vingtaine de watts. Gilles, à Cossol, donc F4WBY, 5 Hôtel Tango et Sierra. Bien, très bien, Eric, 4IAB. Gilles, sur Cossol, c'est Foxtrot 4, Whisky, Bravo, Yankee, WBY. Prenons les fils.
et que le QTH c'est qu'au sol. Voilà. Bon, Eric, je vais te laisser avec notre ami Gilles. Je vais continuer mes activités là. Et Gilles, je vous souhaite de trouver quelqu'un pour faire les essais sur 51.5 FM. CQ, 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 ici F4, Whisky, Bravo, Yankee, F4, Whisky, Bravo, Yankee, F4, WBY, over. Voilà, j'étais en 4 watts, pas en 20. Bon, ça devrait passer quand même, mais là, ça ira mieux. CQ, 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 ici F4, Whisky, Bravo, Yankee. J'ai un père assez concerné dans le cercle là, et donc je connais bien la gamme d'Espagne aussi. Au moins de réputation, il se pratique très souvent avec le père assez en QRP. Tout seul, Gilles. Oui, QSL, hein, super. Hein, bah, c'est toujours très très sympa d'avoir des abonnés, hein, sur la fréquence. Je ne pensais pas que j'en avais autant dans la région, hein, mais c'est super sympa. Hein. Oui, bah là j'essaye de trouver quelqu'un comme d'habitude, hein, sur le 6 mètres FM. Hein, et comme d'habitude, ça ne marche pas. Enfin, pas sans m'annoncer d'abord sur un relais local. Hein. Mais bon, je continue à essayer. Hein, on verra bien. Alors, pour l'indicatif, encore une fois, pour la vidéo. L'indicatif, c'est Fox 4, Italie, Alpha Bravo, Italie, Alpha Bravo, dans le département du Var, entre Brignoles et Draguignan, un petit peu à quelques kilomètres, perpendiculaire en dessous de l'autre, qui est celle sur un missile. Oui, Alexandre, hein, bien reçu, hein, excellent. Hein. Oui, très content de vous entendre tous les deux. Hein. Frédéric aussi, hein, pareil. Frédéric, je crois que je t'ai entendu tout à l'heure aussi, d'ailleurs, beaucoup plus tôt sur la CB, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, et Alexandre qui doit sans doute peut-être être en train de faire du sauta, peut-être. Vas-y, Alexandre. Non, mais Alexandre, il est de la famille, et il est resté à la maison, et il venait de sortir de la sieste. Donc, il n'est pas du tout en train de galoper. Et Frédéric, je l'ai entendu ce matin, non? Je crois que c'est ce matin, oui, fin de matinée. Impeccable. Et oui, attention de ne pas parler trop fort, sinon tu sors de... Enfin, le CTCSS n'est plus décodé, et du coup, la trop d'excursion fait que ça coupe. Hein. Ok, Gilles. C'était sympa de s'entendre autrefois, là, mais vous avez monté en vitesse, et là, j'étais perdu. Hein. J'ai pas pu suivre, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire un petit coucou en DK, enfin, rentrer double à José, mais vous m'avez satellisé, après j'ai prié, il commençait à pleuvoir. Et je suis rentré. F0GMB, F4WBY, F5SXI, je repasse le microphone à Frédéric. Ok Alexandre, merci pour le micro. Voilà, nous on n'a pas bougé là depuis ce matin, là on est au fort de la Renverne. Et c'est vrai que j'étais un petit peu en quelques cuissons, là j'étais monté un peu sur le 11 mètres. Voilà, il y a de la propague, ça passait pas mal entre les stations anglaises, l'Irlande, le nord de France. Et il y avait vraiment beaucoup de monde cet après-midi, hein. C'était assez cuirou. Voilà, je vais passer le micro du côté de l'ami Gilles qui cherche, je crois, des mondes pour le 6 mètres. F5 SFU, L4 WBY0, GMB. J'enregistre sur YouTube. Thank you.
train de manger des noix avec de la crème de marron. Ah, franchement, c'est grave bon, quoi. Bien, alors une vidéo assez brouillon, hein, édition minimale. Pas de sous-titres, pas beaucoup de commentaires. C'était simplement, il y a 2 semaines, un excellent week-end. On a passé une excellente journée avec Luc, que j'ai rencontré pour la première fois. On avait eu quelques contacts en Sibi avant, hein. Très très sympa, hein, lui et sa femme. On a passé une très très bonne après-midi. Et en plus, je suis tombé sur des copains sur la fréquence, sur les relais locaux. Donc ça ne pouvait pas être mieux. Et bon, pas de succès sur 51-50 FM, mais ça c'est comme d'habitude, hein. Mais je vais continuer à essayer. Voilà, donc je voulais simplement poster cette vidéo en français, bien pour mes abonnés français, hein. Voilà, donc ne la prenez pas trop au sérieux, c'est juste pour s'amuser. Aucun sujet particulier, voilà. Mais j'ai pensé peut-être que ça vous intéresserait de voir un peu que eh bien, c'est pas toujours très sérieux. Allez, à la prochaine.